Live 30 ce soir. Donc ce soir, vous allez avoir besoin d'une chaise et d'une serviette pour ce travail full body, complet du corps. Bonsoir, bonsoir tous. Ah oui, il fait chaud, hein. Allez, allez. Alors, ça vous parle cette série? Ouais, ok, Baya, bientôt, bientôt. On a encore quelques minutes avant de commencer. Salut, Ronnie. Allez, c'est parti. On s'échauffe. Parce que même s'il fait chaud dehors, l'intérieur du corps est en température, mais les muscles ont besoin d'être alimentés par le sang. Les tendons alimenté par la synovie, c'est-à-dire huilé, et pour ça on a besoin de s'échauffer. Alors venez, tape droite et gauche. Dites-moi si là le son est bon et si l'image est bonne, hein, vous faites un pouce bleu. Voilà, savoir si ça marche. Allez, un peu plus large, on échauffe les hanches, les cuisses, l'intérieur et l'extérieur. Oh. Mon pied vient toucher l'autre. Et on rajoute les genoux, droite et gauche. Les bras sont actifs et le corps se tourne légèrement vers le genou qui se lève. Tourne, tourne, tourne. Permet d'échauffer les cuisses, les genoux, les hanches, le corps. 4, 3, 2, 1. Talon-fesse. Là, je viens taper avec mon talon ma fesse. Pour bien étirer le devant de la cuisse et échauffer l'arrière de la cuisse. Encore 8, 7, 6, allez, 5, 4, 3, 2, 1, yeah. Reste là. Tape droite et gauche avec les jambes et tu fais tourner un bras. Échauffement de l'épaule. On change de bras. Sans perdre le rythme des jambes. Allez, courage. Allez-y doucement hein, pour réveiller l'épaule. N'allez pas trop vite sur les cercles. Fais la même chose avec les deux bras. On sent la chaleur. On a déjà bien chaud, rien qu'avec quelques mouvements. 4, 3, 2, 1. Ok, un petit pas devant et en même temps, tire les coudes vers l'arrière. Toujours la même jambe. Petit pas, on tire les coudes. Pas. Les genoux sont souples. Hein. On tire les coudes. Change de jambe. Le même mouvement pour les bras. Échauffement, épaules, dos, un peu la poitrine. Reste debout et en haut, en bas. Là, on est vraiment sur les épaules, hein, mais pliez bien comme ça les coudes se réchauffent. Encore. Ah ben, Anita qui regarde, c'est bien. Walid, salut. Encore 8. 8. 7. 5, encore 4, 4, 3, on va crever de chaud, mais c'est bon, hein. Relâchez, main sur les hanches, jambes larges, et faites tourner la tête, échauffement des cervicales et les muscles du cou. Change de sens. Yeah. Les bras croisés, les coudes loin de la poitrine, et on vient une fois à droite au centre, une fois à gauche. Poum. 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 Échauffe la colonne en torsion, mais doucement. Hein. Encore 8,
latéral. Inclinaison rapide des deux côtés, on échauffe encore un petit peu la colonne et on travaille aussi un peu les obliques. Allez, rapide. Bien échauffer la colonne vertébrale, c'est important. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Vous avez déjà votre chaise, j'espère qu'elle est solide. Hein. C'est pas une petite chaise de camping légère. On s'échauffe tranquillement ici, je viens pour appuyer sur l'assise de ma chaise et je ramène pied droit, pied gauche. Sur le côté, juste sur le côté, la pointe de pied, le dos est droit. Tout à l'heure, on va faire du gainage, ce sera un peu plus intense. Pour l'instant, juste ça, tape et tape. Reste là et simplement ici, regardez, petite flexion des coudes. C'est vraiment petit et c'est rapide. On réveille doucement les bras et les coudes. Mon dos est plat. Enfin, un peu penchant d'avant. Encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Redressez-vous. Et là, on va simplement s'éloigner de la chaise et venir taper avec la pointe de pied sur le dos, sur la chaise, pardon, sur l'assise de la chaise. En alternant. Et regarde bien, la main vient toucher le genou opposé. Ne pousse pas la chaise, hein, pose juste le pied dessus. Et touche le genou opposé. Encore le dos, les cuisses qui se réveillent. Vamos. Jambes tendues, pointe de pied. Encore. Bien. Pied large. Et je viens faire du squat. La chaise, on s'en fout maintenant. Juste un peu de squat. Pas trop bas. Juste histoire de réveiller encore les genoux, les cuisses et le dos. Allez, encore, 10, 9, 8, 7, bravo en tout cas à ceux qui sont là avec cette chaleur, c'est pas facile hein, de se mettre au sport le soir, mais c'est bien, on lâche rien. Restez en bas, maintenez 10 secondes le statique, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bien droit dans le bas du dos, 1, 2, 1, tendez les jambes, ouvrez-les un petit peu, plus, posez les mains au sol, et on vient, pilier, jambe droite, jambe gauche, étirement, intérieur cuisse, échauffement cuisse, pli droite, pli gauche, tu tends une jambe, tu plies l'autre, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, resserrez. Bien. On fait quelques abdos pour terminer l'échauffement. Buvez un coup entre les deux. Et après, on associe du cardio et du travail de cuisse. Un exercice de cardio, un exercice de travail de jambes. Voilà, 40 secondes chaque exercice. On fait ça avec la chaise. Donc ça va envoyer. Avant ça, quelques abdos. Donc là c'est le tapis et la chaise au bout du tapis, on va utiliser la chaise. Vous allez vous coucher sur le dos et vous posez les pieds sur la chaise. Attention, on ne pose que les talons, il faut que les genoux soient à peu près à angle droit. Ok, du crunch classique, je vais monter mon buste parallèle à mes genoux vers le plafond. Parallèle à mes genoux vers le plafond et redescendre. On est parti, on en fait 30. Prêt? Allez, 1. 2, ne repose pas la tête. 3, les épaules, oui, mais pas la tête. 4, et tu montes pas vers les genoux, ne monte pas vers les genoux. Monte vers le plafond. 5, vers le plafond. 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, allez, contractez ces abdos comme on a fait vendredi pour ceux qui étaient là. Contraction volontaire, on pousse les lombaires dans le sol. Encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
vers le plafond. À 8, pensez à ça, 9 et 10. Exercice suivant, toujours les talons sur la chaise et je viens chercher le côté de mon tibia à droite et à gauche. On est parti pour 40. Allez, 1, 2, 3, soufflez bien. 4, twistez légèrement. 5, 6, 7, et vous allez commencer à sentir vite vos abdos se réveiller. 9, 10, encore 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 1, 1, plus haut les épaules, 2, il n'y a pas de temps mort, 3, bien sûr si c'est trop difficile, prenez une petite pause de 4-5 secondes et relancez le travail. Hein. 8, 9, 10, il en reste 10, 1, allez monte, 2, réchauffe, réchauffe, 3, en même temps ça réchauffe la colonne, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 9 et 10. Roulez sur le côté pour vous relever et on fait un dernier travail en échauffement spécifique. Vous allez poser vos avant-bras sur la chaise, allonger le corps au maximum et là on vient ramener le genou sur le côté une fois à droite et une fois à gauche. Malheureusement l'option sur les genoux, bon ça fonctionne aussi mais c'est un petit peu moins efficace, mais si vraiment c'est dur vous pouvez passer sur les genoux en les mettant loin de la chaise et vous montez les genoux jusque vers le bras, jusqu'au bras. Allez, pour les autres, bien plat, le dos reste neutre et on vient rapprocher le genou du bras. 1, 40 secondes, je mets le chrono. Allez, allonge, plus le corps est loin, long, plus le travail sera engagé au niveau des abdos. Pensez à serrer le ventre, à le contracter. Waouh, on sent bien le travail des abdos, hein. Allez les amis. Il reste 10 secondes. Bien sur le côté du genou. Le gainage crocodile, j'appelle ça. On marche comme un crocodile. 5 secondes. Et relâchez. Redressez. Un peu, fin de l'échauffement, travail du cardio. Alors j'ai prévu 1, 2, 3, 4 exercices, 4 groupes d'exercices, de 2 exercices, un cardio, un renfo, qui sera relativement cardio. Premier travail, c'est tout simple, on va faire du jumping jack en touchant la chaise, ça c'est cool, on est face à la chaise. Je touche, je monte, je touche, je monte, je touche, je monte. Regardez bien le profil. Mes jambes s'écartent comme un squat et je remonte. Je touche sans me pencher en avant. Poum, poum, poum. 40 secondes. Le travail tout de suite derrière, ça va être, je m'assois sur la chaise, je kick d'un côté, je kick de l'autre, je kick d'un côté, je kick de l'autre. 40 secondes aussi. Cardio renfo. Je sens qu'on va mourir avec la chaleur. Peut-être que vous avez la clim chez vous. Ou peut-être que vous êtes sous un tilleul frais. Ou dans des vieilles pierres, ça marche aussi, c'est pas mal. Ok, donc ici, je vais descendre, toucher la chaise et remonter. Là, l'exercice, la clé, c'est de faire une posture large et basse, avec le dos bien droit, le plus vite possible, pendant 40 secondes. Allez, en place. Attendez, je change un peu la zic pour avoir un truc peut-être plus dynamique. On va voir. Allez, c'est parti. Jumping jack. 45 secondes. 40 secondes. Dans 3. Dans 2. Dans 1. Let's go. Touche, tap, touche, tap, 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 tap. Regarde bien mes cuisses, hein. Large et bas, large et bas. Travail technique et rapide. Plus tu plies les jambes, et plus tu engages les cuisses et le cœur. Ouh, ouh, ouh.
Serre bien les pieds. Observe le dos, il reste vertical. Touche juste le siège. 10 secondes. Lève la tête. Top. On prend 10 secondes de pause. Et on enchaîne. Assis, kick, assis, kick. Prêt? 3, 2, 1, top. Assis, kick. Prends le temps, hein. Vérifie bien que ta chaise est là pour ne pas tomber à côté. Lève le genou, tend. Il y a 40 secondes à tenir. Creuse le bas du dos pour toucher la chaise. Encore. Salut Yann. Encore. 10 secondes. Le dos reste droit. Allez, premier groupe d'exercice presque terminé. Top. Relâchez. Soufflez. 30 secondes de récup. Vous pouvez déjà me marquer si vous êtes essoufflé, si ça a bossé. Hein. Grattez-vous. Deuxième groupe d'exercice, on va avoir fente, un genou de jump, 30 secondes par côté. Le deuxième exercice, ce sera monter sur chaise, redescendre. Le pied, écoutez bien, restera sur la chaise. Je monte, je redescends, je monte, je redescends. 30 secondes une cuisse, 30 secondes l'autre. Prêt? D'abord, fente, genou, sauter. Mets-toi en place, 30 secondes, top. En bas, jump, en bas, jump, en bas, jump. Option, sans sauter, tu fais juste une fente, genou. Et c'est toi qui donne le rythme. Plus tu vas vite, plus tu engages ton corps. Essaye de sauter le plus haut possible si tu n'as pas de soucis de santé. Sinon, petit si tu as des douleurs. Et gère la chaleur aussi. On change de jambe. La chaleur fait monter le rythme cardiaque plus vite. Donc c'est pas la peine d'aller à 250. C'est pour faire une crise cardiaque. Gêner l'effort et la chaleur. Prêt? 3, 2, 1, changez de jambe. Top! Allez, plus bien, plus bien. L'important, c'est de descendre. Restez droit. Allez, les amis. 15 secondes. Pense à l'option, hein. Sans sauter, mais descend, descend. 5, 4, 3, 2, top. Exercice 2, on monte sur sa chaise. Le pied reste sur la chaise. Place-toi stable. Bien à plat, bien au centre. 30 secondes, la même jambe. Le rythme, c'est toi qui le donne. 3, 2, 1, top. Le pied reste et remonte. Pause et remonte. Et ça, un des meilleurs exercices pour la fesse. Renforcer le fessier. Et la cuisse, 15 secondes. Wow. Est-ce que vous sentez votre cuisse ici? Change de jambe. Place, stable, 3, 2, 1, top. Laisse le pied sur la chaise. Reste droit, reste grand. Peut-être qu'il touche le plafond. Hein. Allez. Allez, monte. 15 secondes. Allez. Encore.
Encore, souffle bien haut. 3 secondes, garde le dos, vertical. Et top! Récupère. Je vais des récup un peu plus longues, hein, parce qu'il fait chaud. Et quand il fait chaud, le souffle et le cœur sont plus sollicités. Donc ça sert à rien d'aller trop fort. C'est pour faire du mal. Soufflez bien. Troisième exercice, on va utiliser la serviette. La serviette, elle nous sert à, elle va servir à maintenir la tension dans les épaules. Donc je vais tirer ma serviette comme si je voulais l'allonger, l'étirer. 30 secondes, on va garder cette tension dans la serviette et venir la monter au-dessus de la tête et faire des jumping jacks. Si vous ne pouvez pas sauter, bam, bam. Bah, si vous ne pouvez pas monter les épaules parce que vous avez mal, on vient monter la serviette à hauteur de la poitrine, simplement. Ok? Vous y êtes? 40 secondes. Serviette en tension. 3, 2, 1, top! Allez. Allez, soufflez, soufflez. Allez, courage pour ceux qui sont là. Ce soir, il y a presque que les meilleurs. Encore, encore, 7 secondes. Souple et rapide. Allez, allez. C'est 17, mais c'est 17. Tire-moi sur cette serviette. Tire sur la serviette. Pense à l'option. Option, si vraiment tu n'en peux plus. 5, 4, 3, 2, 1. Récupère. 10 secondes. Deuxième exo, ce sera une fente et je viens tourner mon corps du côté de la jambe arrière. Serviette tendue. 30 secondes de même côté et on fera 30 secondes de l'autre côté. Allez, 3, bras tendus, 2, top. Tourne côté arrière de la jambe arrière. 30 secondes, plus bas. Plus bas. Allez, descends, descends, descends. Bras tendu, bras tendu. Descends. Descends. 7 secondes. Top. On change de jambe. 3, 2, 1, top. Côté jambe arrière. Tends les bras, tends les bras. Et quand tu descends, fais-moi deux belles flexions de genoux. Va jusqu'au sol. Encore 15 secondes. Encore 10 secondes. Allez les amis, les amis. On tient, on tient. Top. Relâchez. Soufflez, 30 secondes. Dernier groupe de cardio. Vous allez avoir besoin de la chaise. On va travailler ici. Roulade. Les pieds viennent de chaque côté des pieds de la chaise. Et je repousse. Pas, pas, pas. Option. Je ne fais que marcher. Ok, 40 secondes. Et deuxième travail, squat jump. Je touche, je jump. Je touche, je jump. Je touche, je jump. Option, squat, touche. Saute. Sans sauter. Attention, hein, c'est pas comme tout à l'heure où je faisais jump. Jumping jump en resserrant les jambes. Là, les jambes restent toujours larges. Prêt? La relève. 40 secondes. Allez. Dans 3, dans 2, dans 1, top! Les deux pieds de chaque côté de la chaise. Allez, 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 allez! Allonge, allonge! Serre les abdos, contracte! Pense à l'option, marche, marche! Marche, marche! Encore, encore, encore! 15 secondes! Pardon, 20 secondes, encore!
Lâche rien, lâche rien, lâche rien. 10. Plus rapide si tu peux. 10 secondes. Squat, jump, squat, jump. Allez, vous allez faire, vous allez y arriver. Je compte sur vous, hein. Squat, jump. Ou juste squat si vraiment vous ne pouvez pas sauter. 3, 2, 40 secondes. 1, top. Plie, tend, en gardant le dos droit. Allez, allez, les amis, 15 secondes de fête. Et reste 25. 20. Oh, mais mets-moi du tempo, mets-moi du tempo. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin d'énergie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, top. Récupérez. Soufflez. Ce qui est bien, c'est qu'on a une chaise entre nous. S'asseoir, c'est la plus mauvaise des solutions pour récupérer. Le mieux, c'est de rester debout et de rester actif. Soufflez, récupérez. Laissez le cœur redescendre. Nous allons enchaîner par des abdominaux. Ok, pas trop de travail comme ça d'explosivité avec cette grosse chaleur. Ça serait pas raisonnable. Et entre nous, pas efficace non plus. Le corps serait surfatigué pour rien. Juste ce qu'il faut, on a juste fait ce qu'il fallait pour activer le métabolisme. C'est bien. Maintenant, on va continuer avec le travail de renforcement musculaire. Et on va travailler avec un contrôle, avec contrôle. Et vous allez voir, ça va être assez puissant. Premier exercice, petit travail d'abdos. 3 exercices, tranquille. On démarre dans 20 secondes, hein. Prenez le temps de vous hydrater. Prenez le temps de vous essuyer. Préparez votre tapis et votre chaise. Allez, on y va. Allez, placez-vous sur le dos, assez loin de la chaise. Il faut la bonne distance, c'est d'avoir les jambes tendues et les talons sur la chaise. Ça, c'est la bonne distance. Pas plus près, ce ne sera pas très utile. Là, vous allez garder les épaules levées, main derrière la tête. Les jambes vont être au-dessus de la chaise. En inspirant, je ramène les genoux, en soufflant, je les amène sous la chaise. Genoux, dessus chaise, genoux, sous la chaise. Ok? Si vraiment vous n'arrivez pas à les amener sous la chaise, faites le genou au-dessus de la chaise, genou au-dessus de la chaise. L'idée, c'est quand même de garder le bas du dos plaqué. Pour ça, vous forcez avec le ventre et les abdos pour que le dos reste plaqué. Vous gardez les épaules enroulées, la tête relevée. Et on essaye d'en faire 30. Allez, commence en haut. Allez, 1. 2, je ramène bien les genoux, 3, 4, plaque le bas du dos, 5, sens la chaleur monter, 6, 7, 8, allez encore, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez courage. 8, pensez à l'option, restons toujours au-dessus de la chaise. 10, encore 10, 1, garde le dos, plat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, plaque, plaque. 8, 9, et 10, relâche, récupère. Alors, si jamais tu as un barreau entre les pieds de la chaise et que tu ne peux pas passer les pieds sous ta chaise, tu travailles avec les pieds à l'extérieur, j'ai oublié de le dire.
mais je pense que vous l'avez fait vous-même. Exercice 2. Ah ben là, on va utiliser la serviette. Donc vous prenez votre serviette. Les pieds vont rester au sol, il n'y a pas besoin de la chaise. Vous allez maintenir la serviette sous tension. Remontez le buste une fois qu'il est levé. Vous tournez sans poser les épaules, la serviette sur un côté, sous tension. On revient au centre et on repose. Je monte les épaules, je twiste sans poser les épaules, je reviens au centre et je repose. Si à un moment donné, le cou vous fait trop mal, eh ben, il y a une solution. Je monte avec la serviette derrière la tête, je tourne le corps, je repose, je monte, je twiste sans poser les épaules et je remonte. Le vrai travail, c'est de garder les épaules hautes lors de la torsion. Pensez à mettre la serviette sous tension. Tirez chaque extrémité. Éloignez-les l'une de l'autre. Prêt? On en fait 30. 1. Repose. 2. Repose. 3. Repose. 4. Repose. 5. Plus haut. 6. Garde les épaules levées. 7. Et tire sur la serviette si tu peux. 8. 9. Allez, monte. 10. Encore. 1. Souviens-toi à tout moment, si tu as mal au cou, 2. Tu mets la serviette derrière la tête. Mais sans tirer sur la nuque. Hein. Allez, 4. Monte, monte. 5. Monte. 6. Allez, monte. 7. 8. 9. 10. Allez, plus haut les épaules, encore 10. 3. 1. Tire-moi sur cette serviette. Laisse les épaules bien hautes. 2. Il en reste 8. 3. 4. Allez, 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 monte, monte. 5. 6, plus haut, twiste tes épaules, 7, 8, les deux derniers, 9, dernier, 10, et on relâche, récupère, troisième exercice, ici, on utilisera la serviette comme guide, je vais la mettre au-dessus de ma tête, bras tendu. Et je vais venir, en enroulant mon bassin, venir avec les tibias toucher la serviette. Regardez bien, les pieds vont rester hein, ligne de fesses. Je monte, tac, je touche, je redescends. Essayez de ne pas trop lancer les jambes. Faites le moins d'élan possible. On essaye d'en faire 25. Allez, top. 1. Ne bouge pas tes bras. 2. Ne déplie pas les jambes. 3. 4, 5, là vous devez sentir le ventre, 6, ne prenez pas d'élan, 7, encore, ne prenez pas d'élan, 8, encore, 9, encore, 10, allez encore 10, 1, 2, 3, 4, pas d'élan, pas d'élan, pas d'élan les amis, 5, les courageux du soir, 6, 7, 8, ne déplie pas les jambes, 9, 10, encore 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2 et 1 et relâchez, récupérez, soufflez, on récupère 30 secondes et on recommence le premier, les trois exercices, hein. Le premier, pied au-dessus de la chaise, pied dessous la chaise, le deuxième avec les twists et le dernier, le reverse crunch. Allez, replacez-vous, jambes tendues, talons sur la chaise. Voilà,
épaules, main derrière la tête. Et on y va. 30 fois. 1, sur la chaise. 2 au-dessus. 3, plaque le bas du dos. 4, allez, 5, 6, encore. 7, 8, encore. 9, 10, encore les amis. 1, 3, ouais. 4, encore. 5, 6, 7, 8, pensez à votre dos, hein, 9, 10, il en reste 10, 1, si le bas du dos vous fait mal, 2, ne travaillez pas en dessous de la chaise, venez juste poser les pieds au sol, remontez, tendez au-dessus de la chaise, pliez, posez, si le dos vous fait mal, 5, allez, 6, 7, plaquez ce dos, hein, 8, montez les épaules, 9, et 10, récupère. Venez du deuxième exo. Serviette tendue, bras tendus. On va monter, on va twister, revenir, poser. À droite et à gauche. 30 fois. 3, 2, 1, go. Monte, twist, reviens, pose. 2, allez, monte tes épaules. 3, monte, monte. 4, monte, twist. Ça monte, tourne, revient, pause. 6, 7, plus tu montes les épaules, plus tu engages le ventre. 8, plaque les lombaires. 9, ne lâche pas ce bas du dos. 10, 11, 12, 13. Allez, courage, on est presque à la moitié. 14, tire sur la serviette. 15, l'option est là. 16, tente tes épaules, reste hautes. 17, plus haut. 18, tu as le droit de prendre quelques secondes de pause si c'est trop dur. 19, ne lâche pas. 20, encore 10. 9, 8, 7, 6, allez les amis, il en reste 5, 5, plus haut, 5, souffrez bien, 4, sentez vos abdos, 3, là-haut, 2, le dernier, 1, et relâchez. Waouh, il nous reste un dernier exercice. Attendez, je protège ma colonne vertébrale. Le sol est dur. Et la maladie a détourné mon dos. Donc, je sens vachement le sol. Voilà, lâchez bien. Bien. Serviette à la verticale. Vous vous souvenez, on va venir sans déplier les jambes, essayer d'amener les tibias en contact avec la serviette. 25 fois. Pas d'élan, c'est vraiment les abdos qui font monter votre bassin et vos jambes. Montez les pieds, c'est parti. 1, et on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, allez encore 10, pas d'élan, 1, pas d'élan, 2, ralenti, ralenti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et relâchez. Récupération, 40 secondes, 45 secondes. Vous pouvez vous redresser, prendre le temps de boire un coup. Ok. Maintenant, on a un gros bloc.
trois blocs de travail. On va travailler le haut du corps, les fessiers, les bras, les lombaires. Et voilà, l'ensemble du corps avec la chaise et la serviette. Ensuite, on aura un peu d'abdos. Et ensuite, le challenge gainage. C'est un gainage ce soir et ensuite, terminado. Ouais, il fait chaud. Hein. Allez, hydratez-vous. Et on enchaîne. Donc, en gros, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercices de renforcement des muscles du corps. Bon, on l'a déjà fait avec les premiers exos pour les cuisses. Il y en aura un peu moins là. Allez, hydratez-vous bien, essuyez-vous bien, préparez votre chaise et votre tapis non loin de la chaise. Moi, je mets même la chaise sur le tapis, comme ça, je suis tout prêt pour tout ce qu'il y a à faire. Allez, premier exercice, ça va être simple, assez simple. Ça va être des pompes triceps, mais sur chaise, ce qui va être vachement plus facile. Vous allez tenir simplement l'assise de la chaise. Placez le corps bien à plat, bien droit, et je viens descendre les coudes serrés, le front vers la chaise. Si vraiment c'est trop dur, vous travaillez à genoux et vous venez poser la poitrine sur la chaise et remonter. Ok ? On fait une série de 15. Tout de suite derrière, vous passez à plat ventre, le pied sous la chaise si c'est nécessaire, avec la serviette que j'ai oubliée. Voilà. D'accord ? Donc il faudra avoir votre serviette à portée de main. Et on vient d'en faire extension lombaire en tirant sur la serviette. J'étire la serviette et je monte. Gros travail du dos et des épaules. Si vous avez mal aux épaules, n'utilisez pas la serviette. Hein. Faites juste les montées d'épaules. Je pense à Tokarine. Juste les montées d'épaules. 15 et les lombaires, ce sera 20. Allez, en place. Placez-vous le plus loin possible de la chaise si vous êtes sur les pieds, sur les genoux. C'est à peu près pareil, je mets les genoux loin de la chaise aussi. Et je vais essayer d'amener tout le corps sur la chaise. 15 fois. Prêt ? 3, 2, 1, top. 1, souffle. 2, pas plus vite que moi. 3, 4, 5, 6. Allez, descends bien. 7, allez, courage. 8, bien sûr, si tu n'arrives pas à faire 15, 9, tu peux descendre à genoux. 10, tu peux prendre une pause. 11, 12, 13, 14 et 15. Waouh! Ça commence fort. Hein. Relâche, passe à plat ventre, la serviette en tension. On tend les bras et on vient. Levez le haut du corps 20 fois. 1. Allez, on renforce le dos. 2. Allez, muscles. 3. 4. 5. 6. Monte bien, monte bien. Tire sur la serviette. Ouvre les bras si tu peux. 9. 10. Encore 10. 1. Sans monter les pieds. Laisse les pieds dans le sol. 2. Allez, allez. 3. Travaille ses lombaires. 4. Tire sur la serviette. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Récupère de ces deux exercices. 30 secondes de récup. Je mets des pauses régulières hein, parce que faut gérer la chaleur d'aujourd'hui. Deuxième exo. On va travailler l'arrière des bras et l'arrière des cuisses et les fessiers. Donc un exercice qui s'appelle le dips. Vous viendrez ici, les fesses en dehors de la chaise, les doigts vers l'avant et je viens plier mes bras pour descendre le corps vers le bas. Ok, l'option c'est d'avoir plus dur, c'est d'avoir les jambes tendues. Et je descends. Bien sûr, c'est pas que mes épaules qui descendent, il y a une flexion de bras. Il faut que vous sentiez s'activer l'arrière du bras. Et le deuxième exo, ça sera sur le sol, ici, et je viendrai monter le bassin le plus haut possible
Et là, le point clé, c'est de planter vraiment très fort les talons dans la chaise. Je plante, je pousse. Je plante et je pousse. Ok ? 15 pour les triceps, les bras. 25 pour les fessiers. Allez, on y va ? Allez, les mains sur la chaise. Choisissez jambes très fléchies ou moins fléchies pour plus de difficultés. Plus c'est fléchi, plus c'est facile. Les fesses loin de la chaise. Et c'est surtout vos bras que vous pliez. Et 15. Allez, descend. 1. Allez. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Plus bas. 10. Encore. 5. 4. 3. 2. Wow! Bien sûr, 15, c'est un chiffre indicateur. Si vous n'en faites que 12, mais que vous les faites bien, c'est bien. N'allez pas vous faire du mal, mais essayez d'aller le plus loin possible quand même. Si vous faites 15, c'est mieux que 12, évidemment. Ici, on plante bien les talons dans la chaise. Genoux angle droit, bras au corps, et je monte les fesses 25 fois le plus haut possible. Allez, top. 1. Plante les talons. Descends au ralenti. 2. Ralenti. 3. Explosif. 4. Explosif et ralenti. 5. Explosif. Plante les talons. Plante, plante. 6. 7. 8. 9. 10. Les 10 suivants, on les fait tout en haut. Petit et rapide. 1. 2. Et ne lâche pas la pression des talons dans la chaise. Enfonce-les dans la chaise. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on en fait 5 grands. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, soufflez, récupérez. 30 secondes. Dernier groupe d'exercice et après on reprend tout depuis le début. Donc le premier, ce sera un travail de cuisse. Je vais mettre un pied sur ma chaise, l'autre au sol, et venir descendre le plus bas possible, et remonter. Descendre, et remonter. On en fait 20 par cuisse. Le deuxième, je serai en posture de gainage, devant ma chaise, et je viens poser la main sur la chaise, l'autre sur la chaise. Tac, 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 tac. 40 secondes. Option, je suis sur le genou, et je fais le même travail. Tac, 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 tac. L'important, c'est de garder le dos et le ventre bien gainé, bien fort. Allez, en place. Pied sur une chaise, l'autre au sol, le dos est droit. Je descends le plus bas possible. 20 fois. 3, 2, 1, top. 1, 2, 3, 4, allez, descends. 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus bas, 10 de plus bas, 10, plus bas. Touche ta cheville pour aller plus bas. 3, allez, 4, sans plancher trop en avant. 5, allez, descend. 6, allez. 7, 8, plus bas. 9, oh, 10, oh, on change de jambe. Pas de temps mort. Prêt. Hop là, je prends l'équilibre. Allez, en place. Allez, il y en a 20. Top. 1. Bien vertical. 2. Bien droit. 3. Descends, descends. 4. Descends 1 cm plus bas. 5. Allez, allez, allez. 6. 7. 8. 9. Recorrige ta technique. Redresse le buste. 10. 10 de plus, 10, 9, 8, 7, 6, 5, il en reste 5, allez plus bas, touche la cheville, 4, 3, 2, et 1, relâche, marche. Ouais, là on sent bien la cuisse, le fessier.
Allez, le dernier. On dénage et je viens toucher la chaise, le dessus de la chaise, une main après l'autre. 40 secondes. Place-toi en gainage à distance de main pour la chaise. Pense à l'option sur les genoux. 3, 2, 1, top. Allez, allez, on gaine. Hein. Pense à ça, pense à bien gainer. Allez, alterne. Allez, touche. Le moins possible, les hanches bougent. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. Comment ça s'est passé cette première série d'exercices? Vous me direz. Allez, on lance, deuxième série. La même chose avec différents niveaux de travail. La même avec différentes quantités de boulot par rapport au premier, à la première série. Allez, on part dans 10 secondes. Donc c'est les pompes, vous vous souvenez, pompes avec les mains sur la chaise, soit genou au sol, soit pied tendu. En fait, on va faire 3 séries de 7 pompes. Il y aura les 7 premières qui vont être normales. Les 7 suivantes, ça va être des petites lentes, amplitude réduite lente, et les 7 dernières qui seront normales. 3 fois 7 pompes, avec un peu de pause entre les deux, 4 secondes. Allez, en place. Première série, pompe normale, amplitude complète. Gainez bien le ventre, inspire, c'est parti. 1, 2, 3, 4, souffle bien, gaine ce ventre. 5, descends la poitrine. 6, 7, récupère. Deuxième série, on va rester en flexion légère et on va faire des petits mouvements lents pour bien cibler l'arrière des bras. Et là, il va falloir garder les coudes très proches, serrés. Prêt? Placez-vous, bras fléchis. On y est, et 1, petit, 2, lent, 3, 4, 5, 6, 7, récupère, et on fait les 7 suivantes, amplitude complète, vitesse normale, 7, en place, les 7 dernières, top, 1, 2, 3, 4, 5, plus bas, 6, 7, et relâchez, soufflez, là vous avez dû sentir vos bras. On récupère un petit peu et on enchaîne par le deuxième exercice qui est tape la ventre. On ne va pas travailler avec la serviette cette fois-ci, laissez vos mains libres. 3 fois 7 aussi. Les 7 premiers, vous allez les faire avec les bras tendus devant. On va lever les bras tendus devant. 7, prêt? 3, 2, 1, top. 1, 2, 3, laisse les pieds au sol. 4, 5, 6, 7. Les 7 suivants, les bras écartés. Bras ouverts. 7, 1, lève le tout. 2, 3, 4, 5, 6. 7, les 7 derniers, vous allez mettre les mains derrière la nuque, une fois que vous relevez, vous tendez les bras, les mains reviennent et on repose la tête au sol. Je lève, je tends les bras, je ramène les bras, je pose. Il y a 4 temps, 7 mouvements. Prêt? Allez, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, pause. 3, 1, 4, 5, 6 et 7 et relâche, récupère,
7 petits et rapides et 7 grands et normaux. Très peu de pause entre les deux. Allez, en place. Souvenez-vous, hein, j'attrape ma chaise, je mets les pieds plus ou moins loin suivant la difficulté que je veux donner et on plie bien les coudes. 7 fois, amplitude max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reste en haut, et là, 7 petits rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on enchaîne par 7 grands, on tient le coup. 1, plus bas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et relâchez. Waouh, là, vous avez dû sentir l'arrière de vos bras. On passe tout de suite au sol, travail des fessiers, de l'arrière de cuisse. Allez, en place. On en fait 10 amplitudes complètes. 10 en pulsation haute. Et 10, on restera en statique. Et on fera juste, on essaiera de décoller un pied puis l'autre. Ok, 10 mouvements en décollant les pieds. Première étape, 10, montée, descente complète. Poussez les talons dans la chaise. Top. 1, 2, 3, 4, plus haut, pousse tes talons dans la chaise, 5, allez, 6, pousse, 7, 8, 9, 10, les 10 suivants, on reste en haut, on fait des petites pulses, 1, 2, presse, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et dernier, je reste en l'air, et là je vais venir lever un pied, et puis l'autre, 10 fois, allez, 1, plus haut, 2, pas trop vite, 3, sans l'arrière des cuisses, 4, allez, monte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et relâchez, waouh, vous avez senti l'arrière des cuisses? Ouh. Dernier exo, le minage, cette fois-ci, tout à l'heure on était sur les mains, cette fois-ci on va se mettre sur les avant-bras, et je vais venir tout de même poser la main sur la chaise, là le corps va se tourner un peu, et je pose la même chose sur les genoux. 40 secondes, allez, en place, prêt, 3, 2, 1, top, pause, repose, allez, fais tourner ton corps. Travaille la taille, les obliques, le renvoi, serre le ventre, serre. Allez, touche. À tout moment, tu peux poser les genoux si tu as besoin. 20 secondes. Il nous reste le challenge du soir, espoir. Le challenge, ça va être un gainage. 1 minute 30 de gainage à tenir. 1 minute 30 de gainage à tenir. Avec les pieds sur la chaise. Je vous montre, hein. Avant bras au sol, pieds sur chaise. Et on va tenir comme ça 1 minute 30. Si vraiment c'est trop difficile pour vous, vous repassez au cours du challenge les pieds au sol. Et si c'est encore trop dur, vous finissez les genoux au sol. Il n'y a pas de honte à prendre les options pour que vous teniez le plus longtemps possible. L'idée, c'est de tenir 1 minute 30. Allez, placez-vous. Ça commence dans 3 secondes. 1. 2, 3, top. 1 minute 30, je compte sur vous pour tenir le coup. Il ne faut pas laisser descendre vos fesses, hein. Je ne veux pas voir ça. Regardez bien, ça c'est cambré, c'est pas bon. Hein. Les fesses, il faut les repousser volontairement un peu plus hautes. Je les aligne avec le dos, le siège de la chaise.
l'assise de la chaise. Allez, pensez à maintenir les abdominaux contractés. Rentrez un peu le bassin, enroulez un petit peu le bas du dos. Contractez le ventre. On a déjà fait un tiers, 30 secondes. Sentez le poids du corps sur vos bras, sur vos abdos. Ne laissez pas tomber les fesses, jamais ça. On remonte les fesses, on remonte les fesses. Allez, pensez à l'option pied au sol si vous n'en pouvez plus. Pensez aux genoux aussi, mais tenez, ne lâchez rien. Mais vous pouvez rester encore sur la chaise. Allez, allez, on reste, on reste. Allez les amis, serrez vos abdominaux. Vous avez fait presque une minute. Vous avez fait une minute. Il reste 30 secondes, on a fait le plus dur les gars. Les filles, les amis, on a fait le plus dur. 25 secondes, monte les fesses, ne laisse pas redescendre les fesses. Ouh. Allez, 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 je compte sur vous pour tenir sur la chaise, vous me direz, hein, si vous avez tenu. 10, 9, 8, 7, 5 secondes. Et relâchez. Soufflez. Alors, vous me noterez si vous avez réussi à faire 1 minute 30. Si cet exercice vous a donné mal dans le bas du dos, c'est certainement que vos fesses, hein, sont tombées un petit peu et que ça a cambré le bas du dos. C'est un exercice qu'on ressent dans les abdos mais aussi dans les cuisses parce qu'elles forcent pour tenir les fesses assez hautes. On n'est pas tout à fait en diagonale, il y a une petite cassure au niveau des fessiers. Sinon on a le dos cambré. Donc normalement on sent le travail dans le ventre et dans les cuisses, puis le cœur aussi. Bien, ben vous marquez en commentaire si vous avez tenu la minute 30. On prend 2-3 minutes pour s'étirer. Et vous avez bien bossé pour une journée caniculaire comme aujourd'hui. Allez, c'est parti. Restez sur les genoux face à votre chaise. Mettez les deux mains sur le siège. Et laissez, regardez, descendre la tête et les épaules, la poitrine. On étire le dos, les épaules. Relâchez la colonne. Laissez aller vraiment les lombaires. Là, on peut cambrer le dos, hein, on étire. Grand dorsal, épaules. Ok, redressez. Simplement ici, inclinez le corps sur le côté, étirez tout le côté du corps. Là, j'ai posé la main sur mon mollet, mais vous pouvez la poser au sol si vous êtes plus souple. Choisissez. Changez de côté. Donc, comme vous êtes encore là, je vous dis, il y aura des lives tout juillet. Par contre, en août, je vais arrêter et je reprendrai en septembre, très certainement. Si la ville veut bien. Redressez. Donc tout juillet, profitez encore des lives pour vous tenir en forme. Et en août, eh ben, ce sera les vacances. Debout, prenez l'équilibre sur la chaise et venez étirer. Talon-fesse, votre cuisse. Redressez la colonne. Relâchez. Changez de côté. Dernier, vous posez le talon, jambe tendue sur la chaise et vous venez chercher votre bout de pied avec les deux mains. Oui, oui, les deux mains. Relâchez, changez de pied. Jambes tendues, hein, c'est important, on étire tout l'arrière de la cuisse. Relâchez, venez debout, inspirez et faites redescendre l'énergie
dernière fois. Bien, ne partez pas tout de suite. Soyez attentifs, il y aura peut-être une surprise, un petit atelier que je vais faire avec une naturopathe, c'est en cours là. Ça sera pour les gens de la région parisienne surtout, puisque ça sera vers Orsay, Marcoussis, par là, un petit truc en pleine nature. Donc restez attentifs, ça sera dans le mois de juillet. Voilà, pour les lives, ça va durer tout le mois de juillet. Et après en août, il y aura une pause et on reprendra. On reprendra très certainement et sûrement en septembre avec à peu près les mêmes créneaux. Voilà, si vous voulez rester en forme tout juillet, restez avec moi. Vous êtes déjà fidèles, c'est bien. Je vous remercie d'être là. Je vous dis à vendredi, 18h30, 19h pour Abdotaille. Hydratez-vous bien, mettez-vous à l'ombre quand il fait trop chaud. Prenez soin de vous, merci et laissez-moi tous les commentaires. Dernière chose, on retrouve cette vidéo sur la chaîne YouTube où il y en a plein d'autres. Faites-vous plaisir pour le mois d'août, piochez dans les vidéos anciennes, essayez de faire les exercices proposés. Il y a plein de choses, il y a une multitude de vidéos à découvrir. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce soir. À vendredi, 18h30. Salut tout le monde, salut. Oui, c'est de bonnes nouvelles.